Ces images de skieurs qui arpentent les pistes vallonnées d'Irati appartiennent désormais au passé. Gestionnaire de la station et de ses chalets, la commission syndicale de Soule a fait le choix de ne pas rouvrir ses pistes de ski de fond cet hiver. Cette activité était devenue trop marginale ces dernières années. Il y a de moins en moins de neige à Irati et on a des pistes qui ont certes de très très belles vues, mais par contre qui sont exposées à des vents qui peuvent être assez violents maintenant. C'est des vents qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qui sont ponctuels et forts et qui ont un effet très négatif sur la neige. Donc tout ça faisait que le travail que nos dameurs faisaient n'était pas forcément valorisé derrière. La décision n'est pas définitive, mais la station veut désormais miser sur d'autres activités comme les balades à pied ou en raquette. Ces dernières années, elle a réussi à fidéliser une clientèle en quête de nature et de calme, et ce durant toute l'année. C'est un moment de décompression, il n'y a pas de bruit. C'est une autre vie que la vie bordelaise. Nous venons pour ramener les petits-enfants qui adorent beaucoup jouer dans les bois, faire des cabanes, éventuellement ramasser des champignons quand il y en a. J'adore les oiseaux et ici c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a des vautours, des milans et c'est aussi le col et ils migrent. Du coup on en voit beaucoup. Autre point fort, le restaurant relancé cette année par la commission syndicale de Soule, ce sont les salariés eux-mêmes qui le gèrent désormais avec des plats servis au coin du feu. On travaille donc localement en cuisine avec une cuisine campagnarde très très simple où on peut y trouver une bonne garbure maison à l'ancienne avec des truitelles, la côte d'agneau, l'assiette du berger, l'incontournable de notre restaurant. Pas de ski, mais une autre manière de profiter de la montagne. Un nouveau pari pour la station d'Irati qui enregistre chaque année environ 56 000 nuitées, un chiffre en constante augmentation.